Sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc dans un premier temps, essayez d'abord de me donner une pouce bleue, voilà, pour me satisfaire un peu. Et aujourd'hui, je suis là juste pour vous présenter une bourse qui vient de l'Angleterre, et c'est une bourse qui s'étale sur chaque année. Voilà, et cette année, c'est une bourse qui est, pour cette vidéo, je vais faire seulement une vidéo qui est destinée aux États de l'Afrique de l'Ouest, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les États de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que cette bourse est un peu panachée, mais le nom qu'ils ont donné, c'est la bourse de l'Afrique de l'Ouest, voilà, Rolls-Royce. Donc on va appeler ça comme ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs, pays qui ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest qui sont concernés, mais comme il y a plusieurs pays aussi de l'Afrique de l'Ouest, alors c'est le nom de cette bourse. Donc pour cette bourse, je vous rappelle encore, tout est en anglais, vous devez tout mettre en anglais. Même la lettre de recommandation, la lettre de motivation, tout doit être en anglais, les gars. Donc, c'était un peu ça. Vous devez avoir votre passeport sur vous et essayer de suivre les 7 étapes pour pouvoir postuler à cette bourse. Et pour cette bourse, vous allez postuler en même temps et à l'admission et à la bourse. Voilà. Et ce sera eux maintenant de faire le choix. Je vais vous dire, je vais vous montrer comment ça se passe tout à l'heure, les gars. Donc, essayez de me donner une pouce bleue et à tout à l'heure, on y va, les gars. Allez, encore salut, salut les gars, voilà. Et cette bourse que je vais vous présenter, c'est comme je vous l'ai dit, comme je vous l'avais déjà dit, voilà. C'est la bourse du Rolls-Royce. C'est quoi? C'est une bourse qui est lancée chaque année du côté de l'Angleterre, voilà. Donc cette bourse, c'est une bourse qui est vraiment connue de tous, et puis c'est une bourse aussi qui est très réputée. Donc pour ceux qui veulent vraiment postuler, c'est très important. Voilà, vous pouvez postuler. Et ce que moi je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que cette bourse, vous allez carrément tout faire en anglais, voilà. Même en ce qui concerne vos dossiers, voilà, vous devez les traduire en anglais. Et même en ce qui concerne les lettres de motivation, les lettres de recommandation, tout ça doit être en anglais. Voilà, c'est une bourse qui est réservée pour cette bourse que je vais faire maintenant. C'est une bourse qui est réservée uniquement aux étudiants ou bien aux personnes de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une bourse des étudiants de l'Afrique de l'Ouest. Donc essayez de comprendre cela, voilà. Et puis peut-être après je vais faire une bourse aussi, je vais faire une vidéo pour les autres, les autres localités, mais pour le moment c'est une bourse pour l'Afrique de l'Ouest. Donc si vous voulez postuler, voilà, il y a cette étape. Dans un premier temps, vous allez voir votre éligibilité. Lorsque vous finissez, vous choisissez votre faculté que vous voulez étudier. Lorsque vous finissez, vous commencez à remplir. En fait, ici, comme ça, pour cette bourse comme ça, vous allez par exemple comme ça postuler en même temps. C'est-à-dire et la bourse et l'admission. Et si vous avez l'admission, directement, vous êtes conduit à la bourse. Mais si vous n'avez pas l'admission, directement, votre bourse, même si vous avez la bourse, votre bourse est annulée. Vous comprenez? Voilà, parce qu'ils vont sur les deux champs, les deux flancs. Donc il y a un flanc qui va sur l'admission et puis il y a un flanc qui va sur la bourse. Donc si vous pouvez avoir la bourse et sans l'admission, votre bourse est annulée. Si vous avez l'admission, maintenant ils vont regarder maintenant l'histoire de la bourse. Si vous avez la bourse, alors vous serez contacté pour pouvoir mieux gérer. Donc comme je vous disais, actuellement je vais faire seulement pour l'Afrique de l'Ouest. Donc on y va, on va essayer de faire pour l'Afrique de l'Ouest. Donc pour pouvoir le faire, qu'est-ce qui se passe ici comme ça? Si rien vient, voici la procédure qui est là. Et ici la procédure, vous allez voir l'éligibilité.
D'abord, dans un premier temps, je vais essayer de vous donner l'information, voilà, pour que tous ceux qui veulent vraiment postuler puissent postuler. Et ensuite, je vais essayer de faire quoi, de postuler aussi, de faire un exemple pour postuler et aussi aider ceux qui ne peuvent pas suivre, voilà, seul. Donc c'est un peu ça. Donc ici, éligibilité, voici les informations sur le candidat, pour le candidat. Voilà, donc, et je répète encore, cette bourse, c'est pour le master's et doctorat. C'est pas la licence, c'est master's et doctorat. Donc, ce qui fait la licence, c'est pas la peine. Donc, ici, comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir voir, pour ceux qui ne savent pas, si leur pays est en Afrique de l'Ouest, vous allez voir ici, vous choisissez West Africa. Voilà, un instant, vous allez choisir West Africa, voilà. Et West Africa, vous allez voir ici les pays qui sont éligibles pour pouvoir postuler. Donc, voici ces pays-là. C'est vrai qu'ils ont mélangé un peu avec les pays de l'Est, mais voici ces pays-là qui sont éligibles. Voilà, mais ils ont, comme il y a plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, donc ils ont nommé cette bourse-là, la bourse Rhodes Scholarship for West Africa. Voilà, donc il y a le Bénin, Burkina, Cap Vert, il y a Gambie, il y a Ghana, Guinée-Bissau, il y a Côte d'Ivoire, il y a Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Islande, Elina, je crois que c'est près de la Guinée, c'est coincé entre la Guinée-Bissau et puis, donc Sénégal, Sierra Leone, et puis ici, on a quoi, Sao Tome, on a Prince et Togo. Donc, voici pour cette bourse que j'ai tenté de faire. Voilà, voici les pays qui sont éligibles. Voilà, ne vous trompez pas. Donc les autres, vous pouvez aller voir un peu, par exemple ici, si vous allez voir ce que vous voulez. Vous pouvez aller voir là, mais pour le moment, ce que j'ai tenté de faire, c'est pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Les autres, par exemple, vous pouvez aller voir ici, East Africa, si votre pays s'y trouve. Voilà. Vous avez vu ici. Ici, ça va jusqu'au 31 août. Ici, c'est jusqu'au 31 août. Alors que là-bas, c'est jusqu'en octobre. Voilà. Donc, vous comprenez. Actuellement, nous sommes au 19. Donc, vous avez au moins 13 jours ou bien 12 jours pour pouvoir postuler. Voilà. Mais, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique de l'Ouest, voilà. Et la date limite, c'est le 15 septembre, c'est un peu loin. Vous avez au moins un mois pour pouvoir les postuler. Voilà. Donc, pour pouvoir le faire, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de lire un peu les éléments qui sont là. Je vais revenir dessus. Mais essayez de lire un peu les éléments qui sont là. Et nous allons voir un peu quels sont les éléments que couvre la bourse. Donc, vous pouvez venir ici pour voir les éléments que couvre la bourse. Voilà. Donc, ici, on va voir les éléments que couvre la bourse. Je vais essayer de voir un peu pour que vous soyez un peu. Donc, n'oubliez pas, la bourse, c'est en même temps avec l'admission. Donc, si vous avez l'admission, vous serez reconduit par la bourse. Voilà. Donc, voici tous les éléments que couvre la bourse. Voilà. Donc, vous devez mieux lire, essayez de lire ici, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, donc pour le moment, je répète encore, c'est pour juste vous donner l'information et aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez débuter, et en même temps pour ceux qui peuvent postuler, qu'ils postulent directement. Donc une fois que vous arrivez là, vous finissez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez venir sur apply ici. Voilà, c'est la même chose, il n'y a pas une autre possibilité. Vous allez faire apply et vous allez vous enregistrer sur le site. Vous allez vous enregistrer sur le site, et une fois que vous finissez de vous enregistrer sur le site, vous allez maintenant commencer à voir comment est-ce que vous pouvez. Il y a tout sur le site. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez attendre à ce que je commence aussi à postuler pour que vous puissiez aussi le faire. Donc c'est un peu ça. Un instant que ça charge. Voilà, donc arrivé là, vous allez ici mettre le mail et le password, mais comme vous n'en avez pas, vous devez d'abord vous inscrire. Alors vous venez ici, don't have any account, register. Donc vous cliquez là et vous allez d'abord vous enregistrer.
Et lorsque vous allez vous enregistrer, vous allez maintenant vous serez dirigé vers la plateforme où vous devez suivre les étapes qui sont là. Les étapes qui sont là. Voici les étapes qui sont ici. D'abord, éligibilité. Vous voyez si vous êtes éligible. Après, lorsque vous finissez, vous allez maintenant remplir vos éléments. Voilà. Et après, vous allez faire l'interview. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas grand chose. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Pour que tout le monde soit au même niveau. Et aussi, je vais essayer de postuler moi-même comme ça. Pour que pour ceux qui n'arrivent pas à postuler, je vais postuler et puis vous allez voir comment est-ce que ça se passe. Voilà, donc sur ce site aussi il y a plusieurs bourses. Donc mais pour moi ce que je vais faire maintenant c'est la bourse qui concerne les États de l'Afrique de l'Ouest. Donc les gars, c'était un peu ça. Voilà, essayez de postuler, mais n'oubliez pas, écrivez et faites tout en anglais. Voilà, c'est ce qui est primordial, c'est ce qui est noté ici. Donc n'oubliez pas. Et c'était moi, Samos Pita. Et les gars, à plus.